Bonsoir. Nous sommes très heureux d'être réunis à nouveau pour un séminaire populaire du Secours populaire, consacré ce soir à... consacré ce soir à l'éducation populaire. Je voudrais donc saluer les membres du Bureau national qui sont présents, tous les amis du Secours populaire qui nous rejoindront en ligne, et puis particulièrement saluer la présence parmi nous de délégués d'associations étrangères liées au Secours populaire, qui viennent de Grèce, de Palestine, de Guadeloupe, du Liban, du Mali, du Salvador, de Palestine, de Guadeloupe aussi, encore de Guadeloupe, une autre association de Guadeloupe, de Madagascar, du Salvador à nouveau, et de Saint-Martin. Et une représentante d'une association ukrainienne. Vous savez, la situation catastrophique et cette violence inouïe qui se développe en Ukraine, le Secours populaire français s'implique dans cette affaire. Et je passe tout de suite la parole à Sébastien Tolo, qui va nous dire quelques mots sur ce sujet. Sébastien, tu as la parole. Merci. Bonsoir. Alors, c'est une intervention très, très courte que je vais faire au nom du secrétariat national et du bureau national suite au déclenchement de la guerre en Ukraine et la position de notre association qui se mobilise très fortement par un appel financier pour répondre dans un premier temps aux besoins essentiels qui s'expriment auprès des déplacés ukrainiens dans les différents pays de l'ouest de l'Ukraine et plus particulièrement aujourd'hui dans deux pays qui sont la Moldavie et la Pologne. Ces deux pays, c'est parce que nous avons sur place des correspondants et des organisations avec lesquelles nous travaillons depuis de nombreuses années et qui ont déjà mis en place des actions d'urgence. Donc nous appelons l'ensemble du mouvement aujourd'hui à renouveler cet appel à la solidarité et à porter fort un message d'appel aux dons financiers, puisque les associations que nous avons au téléphone nous ont fait part de leur capacité d'organiser la logistique et aussi de pouvoir faire les achats sur la base de besoins repérés et avec des listes de personnes qui sont identifiées. Donc nos dons financiers permettront d'agir très rapidement. Donc c'est une discussion que nous avons eue à nouveau au Bureau national cet après-midi. Nous allons vraiment le porter fortement à tous les niveaux, dans l'ensemble de nos réseaux et les réseaux extérieurs également. La situation en Ukraine nous laisse présager peut-être pour plus tard de pouvoir aussi intervenir, mais aujourd'hui, la situation de guerre fait que nous mettons toute notre énergie et nos partenaires mettent toute leur énergie vraiment pour apporter cette solidarité auprès de personnes qui fuient la guerre et qui arrivent avec très peu de choses dans des régions aussi où certaines populations sont également très pauvres, mais apportent aussi également une solidarité. Je laisse ensuite vous reprendre le cours normal de ce séminaire. Et voilà, donc de nombreuses informations de toute façon vous seront données régulièrement sur la situation et ce que nous pouvons faire et ce que nous faisons déjà. Merci. Merci Sébastien. Et donc aux actions de solidarité. Donc l'éducation populaire, ça change le monde. Tel est le thème de notre séminaire ce soir. Donc je suis Jean-Philippe Milesi, je suis notamment secrétaire général de l'Institut Polanyi et j'ai le plaisir, l'honneur et le plaisir d'animer depuis quelques années les séminaires populaires de notre organisation. Et pour parler d'éducation populaire, l'éducation populaire est un thème qui semble mobiliser de nouveau beaucoup le champ associatif, mais pas que. Tous les champs aussi de l'économie sociale. Mais souvent, il y a des acceptions différentes de cette éducation populaire et nous en parlerons ce soir. Pour parler avec nous, Hélène Duclos, qui est consultante et spécialiste de l'évaluation
des pratiques de l'utilité sociale et des pratiques associatives. Nous avons Emmanuel Porte, qui est chercheur à l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Et puis nous avons José Coca, du Secours populaire Fédération du Val d'Oise. Et enfin, Philippe Segrestan, qui a été responsable national des CMEA. Il nous expliquera ce que sont les CMEA et qui demeure un militant associatif et notamment dans le champ de l'éducation populaire. Donc la première de nos intervenants sera Emmanuel Porte, à qui je demanderai peut-être de brosser un tableau de ce qu'est l'éducation populaire aujourd'hui en France, puisque l'éducation populaire est à la fois un mouvement et aussi une fonction à l'intérieur ou devrait être une fonction à l'intérieur de l'ensemble des structures de l'économie sociale et solidaire. Et donc, où en est-elle? Comment se pose la problématique de l'éducation populaire? Tu as la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Peut-être, effectivement, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, dire juste en introduction un petit mot de là où je vous parle, puisque moi, effectivement, je travaille à l'INJEP, qui est l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, et qui est en fait un service à compétence nationale rattaché au ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Éducation nationale, puisqu'aujourd'hui, on est dans une grande entité. Et on travaille justement sur les questions de jeunesse, politique de jeunesse, vie associative et éducation populaire et sport. Et à l'intérieur de ça, moi je travaille dans la partie qui produit effectivement des études et des recherches sur ces thèmes-là, et en particulier sur l'éducation populaire. Donc effectivement, l'idée de l'intervention d'aujourd'hui, c'est d'essayer de dire de manière un petit peu synthétique quelles sont un peu les caractéristiques de l'éducation populaire en France, ses origines, l'évolution récente, et essayer de dire aussi un petit peu ce que la recherche considère aujourd'hui comme étant une phase de renouveau de l'éducation populaire, et en quoi, quels sont les signaux qui permettent de le dire. Et puis peut-être, si j'ai le temps, parce que je crois qu'on a 20 minutes à peu près, de vous dire un mot sur un domaine qui me semble être intéressant de ce type de reconfiguration et d'émergence de l'éducation populaire aujourd'hui, qui est le champ du numérique, mais on y reviendra peut-être à la fin. Donc effectivement, éducation populaire, de quoi parle-t-on? C'est toujours important peut-être de rappeler que c'est une notion qui est très, très ancienne. Alors l'usage de la notion est très ancienne, et les termes du débat le sont encore plus. La plupart des historiens s'accordent à dire que c'est quelque chose qui naît complètement du contexte de la Révolution française, et en particulier des premiers textes de Condorcet sur l'instruction, qui insistent sur le fait que l'instruction ne doit pas rester une aventure qui reste dans les murs de l'école ou dans le temps de la formation initiale, mais qu'elle le dépasse très largement, et que les enjeux de formation du citoyen sont des enjeux beaucoup plus globaux à prendre en compte. Si on regarde les travaux historiques qui ont été faits sur l'éducation populaire dans ses origines, dans le long 19e siècle, on voit en fait que globalement tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a trois grands courants de pensée, de philosophie politique, d'organisation de la société qu'ont contribué à la structuration et à l'émergence et à l'affirmation de cette notion dans l'espace public. Un premier courant qu'on peut qualifier de républicain, et qui a accompagné la construction de l'école publique laïque et obligatoire, et qui a essayé d'inventer des temps de formation de l'enfant en dehors du temps scolaire, en défendant l'idée d'être complémentaire de l'école. Et une des plus anciennes structures dans ce domaine est évidemment la Ligue de l'enseignement, dont un certain nombre d'entre vous évidemment connaissent l'existence depuis longtemps. Le deuxième courant, qui est la plus souvent identifié, est ce qu'on pourrait plutôt appeler un courant ouvrier, qui renvoie plutôt aux réflexions qui ont pu se nouer autour de ces enjeux de formation à la citoyenneté aussi des adultes, c'est-à-dire pas seulement des réflexions pour les jeunes, mais aussi pour les adultes à travers le développement de cours du soir, d'expérimentations pédagogiques dans les
dans les bourses du travail, le développement des universités populaires dès le tournant du 19e et du début du 20e. Et puis enfin, un courant peut-être qualifiable de confessionnel et qui renvoie en fait à la tentative, notamment dans la filiation du catholicisme social, de s'attacher à mettre en œuvre des formes originales d'éducation du peuple en s'appuyant sur la sociabilité entre groupes de pères et notamment sur la sociabilité entre jeunes. Et on sait qu'il y a beaucoup d'expérimentations qui ont été menées dans ce domaine-là, la plus connue et internationalisée étant celle du scoutisme, mais il y en a évidemment bien d'autres sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir là en détail, mais qui participent de cette histoire. Alors, si je dis tout ça en introduction, c'est parce que c'est pour souligner qu'à bien des égards, l'éducation populaire a des racines et des origines philosophiques, politiques, démocratiques très variées, très, très, très vastes, qui couvrent un champ du spectre du débat politique très, très large. En même temps, alors ça fait dire à un certain nombre d'auteurs que du coup l'éducation populaire est un peu indéfinissable, qu'elle est un peu un mot valise, qu'il est difficile d'en donner une définition précise, stable, surtout dans la longue durée. En réalité, les travaux par exemple de Jean-Claude Richez ont bien montré que à le regarder dans la longue durée, on a quand même des commune à l'ensemble de ces mouvements, expérimentations qui se sont inscrits dans cette notion d'éducation populaire, et deux en particulier un socle commun qui est basé sur l'idée que la plupart de ces associations expérimentations ont une volonté de favoriser l'accès au savoir et à la culture au plus grand nombre, et en particulier aux plus démunis. Ça, c'est quand même une première caractéristique commune. Et la deuxième, c'est qu'il y a quand même aussi une volonté de considérer l'éducation de tous comme une condition de l'exercice de la citoyenneté et de la dynamisation de la démocratie. Et quand je dis de la dynamisation de la démocratie, c'est garder la démocratie vivante par le fait de conserver en permanence des espaces ouverts de formation du citoyen qui sont en capacité de se renouveler parce que ce sont des cadres collectifs et non pas des savoirs scolaires, descendants, fixés à un moment donné, mais que c'est des espaces vivants et renouvelés. Dans cette histoire-là, cette histoire de longue durée, elle a traversé des débats très nombreux sur lesquels je n'ai pas du tout le temps de revenir là, mais entre la constitution de l'école républicaine à la fin du 19e, les débats sur l'éducation ouvrière au tournant du siècle, les débats sur la formation de la jeunesse dans l'entre-deux-guerres et dans l'après-guerre qui sont très forts, les débats sur l'éducation permanente, la formation tout au long de la vie dans les années 70, ou les débats sur la société de la connaissance, et notamment à l'échelle européenne depuis les années 2000, avec les notions d'éducation formelle et non formelle, qu'un certain nombre d'entre vous pratiquent peut-être encore au quotidien, c'est beaucoup, beaucoup de sujets qui sont couverts par ce qu'on peut appeler les structures, les mouvements et la philosophie qui relèvent de l'éducation populaire. Ce qui est important aussi de dire, c'est que ça a permis de développer dans cette longue durée des réflexions autour des pédagogies alternatives, de penser des formats, des outils, des lieux qui permettent de faire vivre ces espaces de formation du citoyen. Pour citer évidemment quelques formats majeurs qui ont été travaillés par différents mouvements réutilisés qui sont encore tout à fait vivants, il y a évidemment l'utilisation des ateliers d'écriture, des formats du type les autobiographies raisonnées, des récits de vie, du théâtre forum, de l'entraînement mental, plus récemment peut-être des formats plus inspirés du monde du théâtre comme les conférences gesticulées qui ont été popularisées par Franck Lepage, ou des arpentages, c'est-à-dire des lectures collectives d'ouvrages. Tout ça participe de ce foisonnement de formats de l'éducation populaire, et évidemment des foisonnements aussi de lieux et de structures qui ont pu expérimenter tous ces formats dans des colonies de vacances, des MJC, des auberges de jeunesse, des centres sociaux, des universités populaires, des associations sportives, des clubs de théâtre, et j'en passe. Donc, simplement pour dire que l'éducation populaire a historiquement permis de légitimer l'existence d'une éducation hors de l'école, de le faire dans un cadre associatif, militant, comme une manière de nommer un engagement citoyen dans des cadres collectifs,
Et c'est une référence qui est vraiment montée en puissance jusque au tournant, on va dire, des années 70, où là, on a connu, et l'ensemble des travaux universitaires aujourd'hui s'accordent là-dessus, une rupture avec une forme de reflux de la référence à l'éducation populaire. À partir des années 70-80, il y a des émergences déjà dans les années 60, et en quelque sorte... À partir de cette période-là, on préfère progressivement, dans la plupart des documents, des archives, des prises de position publiques, etc., on préfère progressivement les notions d'animation socioculturelle, de médiation scientifique et technique, d'animation sportive. Et pour le dire autrement, d'une certaine manière, en professionnalisant ce secteur, on a sectorisé, on a spécialisé, on a aussi découpé peut-être ce qu'était la cohérence historique et militante de cette éducation populaire pour partie. Ce qui a, processus d'ailleurs qui a été très largement soutenu par l'État, puisqu'il y a eu un processus dès l'époque de la guerre et dans la deuxième moitié du XXe siècle, de reconnaissance d'un secteur en tant que tel de la jeunesse et de l'éducation populaire, le fameux secteur JEP, qui a donné à la fois des structures de financement comme le fonds JEP, qui a donné aussi l'émergence de diplômes, de certifications autour de l'animation avec le BAFA et un certain nombre d'emplois aussi dans le secteur administratif, et puis de formes de régulation des relations entre les grands mouvements historiques de l'éducation populaire et l'État. Tout ça pour vous dire que ça a produit évidemment cette professionnalisation, la montée en puissance quoi, d'un secteur associatif très puissant, puisque encore aujourd'hui, le CNAJEP, qui regroupe les associations d'éducation populaire au niveau national, représente plus de 70 fédérations nationales. Et généralement, on s'accorde sur un chiffre de 430 000 environ associations qui relèveraient de ce vaste champ de l'éducation populaire. Donc c'est un maillage territorial très vaste et encore très solide, qui mobilise un nombre de bénévoles important. Alors, ce qui a intéressé beaucoup la recherche sur l'éducation populaire ces dernières années, c'est la période qui s'ouvre après, c'est-à-dire à partir des années, du milieu des années 90 et du tournant des années 2000, où après cette période de reflux de la référence à l'éducation populaire, mais en même temps de professionnalisation et de structuration d'un secteur de l'animation socioculturelle relativement important, on voit réémerger cette notion d'éducation populaire à différents endroits de la société, par des collectifs donc relativement récents à l'époque, dans les années 90-2000, dans le monde étudiant, avec des structures comme l'Association française des étudiants pour la ville, la FEV, dans des SCOP d'éducation populaire, comme celle la plus célèbre étant la SCOP Le Pavé, popularisée par Franck Lepage, mais qui essaye de retravailler des formats aussi avec le monde du théâtre. Dans le champ de la culture scientifique et technique, avec des structures qui émergent du type celle des petits débrouillards, qui revendiquent immédiatement une référence à l'éducation populaire dans un monde de la culture scientifique et technique à l'époque où la référence était un peu moins fréquente, notamment sur les réflexions pédagogiques, et puis des structures qui se repréoccupent aussi de l'éducation en direction des adultes, ce que j'évoquais au départ en lien avec l'histoire. Je pense notamment à l'association ATTAC, qui sur les questions d'économie revendique dès sa création faire de l'éducation populaire tournée vers l'action. Donc ça, c'est l'émergence de nouveaux acteurs, disons, à cette époque, auxquels se rajoutent des réseaux beaucoup plus anciens, c'était pas toujours nommé comme relevant de l'éducation populaire, mais qui à partir de cette période-là le font plus volontiers. C'est le cas en particulier d'un réseau comme ATD Quart-Monde. Et puis c'est le cas aussi de, j'allais dire, mobilisation plus ponctuelle, c'est-à-dire que l'éducation populaire redevient une référence dans des formats de mobilisation plus ponctuelle. Il n'y a quasiment plus une mobilisation étudiante sans qu'il y ait une université populaire le temps de la mobilisation. La commission la plus longue, qui a duré le plus longtemps au moment du mouvement de Nuit Debout à Paris, c'était la commission éducation populaire, et qui pour partie fonctionne encore, mais elle est un peu moins active que par le passé, mais elle a été très active pendant plusieurs années, bien après
le fait que les gens quittent la place. On a vu aussi des universités populaires, par exemple, renaître dans des musées, je pense au musée du Quai Branly. Enfin, donc il y a eu une effervescence du retour de cette référence à l'université populaire dans tout un tas de domaines. Et puis, dans de nouveaux secteurs, donc en particulier dans le champ du travail social, où s'est mis à beaucoup être discuté la question du pouvoir d'agir, de l'empowerment à partir des années 2000, comme une manière aussi de questionner le rapport entre travail social et éducation populaire. Donc on revient à l'éducation populaire, on relit des textes, il y a une série de séminaires avec des échanges autour de ça qui émergent à cette époque-là. On voit dans le numérique des acteurs qui se mettent à revendiquer l'éducation populaire sans forcément être connectés à des acteurs historiques. C'est le cas par exemple d'une association comme Framasoft qui revendique faire de l'éducation populaire au libre ou au logiciel libre. Tout ça témoigne d'une effervescence qui est par ailleurs évidemment corrélée avec de nouveaux questionnements sur l'éducation populaire qui réémergent aussi dans la pratique des acteurs plus historiques que sont des acteurs comme les CMEA, les Franca, la Ligue de l'enseignement, etc., qui s'impliquent aussi davantage sur ces questions, qui reprennent remettre au travail ces questions-là. Et d'ailleurs, il y a la charte de l'éducation populaire commune au mouvement la plus récente, date de 2005, et a été retravaillée à ce moment-là. Donc, si je prenais ces exemples, je rappelais cette trajectoire, c'est pour montrer que dans ces émergences, ce qui me semble intéressant du point de vue de l'analyse, c'est que ce dont ça vient témoigner, c'est que quand on remobilise l'éducation populaire aujourd'hui, chez beaucoup d'acteurs, et je l'ai vu chez beaucoup d'animateurs, chez beaucoup de professionnels du secteur, c'est une manière aussi de réenchanter un peu ces pratiques professionnelles en réintroduisant des dimensions politiques, des dimensions plus globales, d'essayer d'englober sa pratique d'animateur sans la nier, mais en la reconnectant avec des réflexions sur l'émancipation, sur le développement des territoires, sur les transitions numériques, les transitions écologiques. Et je trouve que ça produit des choses intéressantes, et je voulais peut-être terminer, si j'ai encore 5 minutes, 3 minutes, par l'exemple du domaine du numérique, dans lequel il y a évidemment historiquement beaucoup d'acteurs dans le champ de l'informatique, des médias, etc., de l'éducation populaire qui avaient investi ces questions-là, mais où on a vu que le numérique a rebattu un peu les cartes par l'émergence de par exemple, de nouveaux lieux ou de nouveaux formats d'activités. Typiquement, moi j'ai vu des choses super intéressantes dans par exemple l'arrivée d'un espace de fabrication type Fab Lab autour d'une imprimante 3D ou de choses comme ça dans un centre social. Ça peut permettre, suivant comment il est utilisé par l'animateur, d'organiser des activités qui deviennent beaucoup plus intergénérationnelles que ce que l'était d'un côté l'atelier de réparation qui pouvait y avoir dans le Fab Lab, et de l'autre côté l'atelier multimédia ou tourner vers du jeu en ligne ou des choses comme ça qui mobilisaient plus de jeunes, mais où les publics se mélangeaient moins. Et en fait, en réfléchissant à partir du numérique aux pratiques d'animation, on arrive à se reposer aussi ces questions de recroisement intergénérationnel et de dépassement dans un cadre collectif de ces enjeux d'émancipation. De la même manière qu'on voit des choses très intéressantes autour des données, puisque avec des encyclopédies collaboratives comme Wikipédia ou des cartographies collaboratives comme OpenStreetMap, on voit des animateurs qui arrivent à proposer à des jeunes de devenir finalement des coproducteurs du savoir sur leur territoire, et non plus seulement de participer à une activité autour du numérique comme un thème, mais que ça transforme donc leur pratique et leur position professionnelle d'animateur. Et je pense qu'il y a à considérer ces sujets émergents comme des sujets dans lesquels on peut reconnecter aussi utilement des pratiques professionnelles d'animation éprouvées et très importantes, et des idéaux d'émancipation, de partage de savoir qu'on retrouve dans un certain nombre de ce que moi j'appelle des référentiels d'émancipation dans ce champ numérique, qui sont la culture des logiciels libres, la culture des communs ou des biens communs, et qui sont des manières de
de prolonger, j'allais dire, la promesse historique de l'éducation populaire, d'essayer de ne pas contenir la formation du citoyen dans un espace qui serait uniquement scolaire ou périscolaire, mais qui s'autorise à faire de l'intergénérationnel, de l'interterritorial, et je dirais peut-être même de l'international, parce que c'est peut-être le dernier mot qu'il faut dire, c'est que la réalité aussi de l'éducation populaire n'est pas seulement française. On trouve des expériences d'éducation populaire dans beaucoup de pays européens, évidemment en Amérique latine, qui a donné lieu à des, enfin, qui a donné des grands penseurs pédagogiques à ce mouvement, et même dans d'autres continents où on l'imagine moins, en Inde par exemple, il y a un certain nombre de choses qui s'expérimentent. Voilà, pour essayer d'être synthétique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel. Je rebondis sur cette histoire de réseaux internationaux. Je pense à un réseau qui a été constitué au Centre international des cultures populaires de Paris, le CICP, rue Voltaire, qui s'appelle Échange et Partenariat, et qui est un mouvement d'éducation populaire sur la formation croisée des mouvements de solidarité internationale, et qui, depuis... Et on voit d'ailleurs dans pas mal d'associations du CRID, de Coordination Sud ou des choses comme ça, ou d'autres associations, des jeunes femmes le plus souvent, issues de ces formations croisées à l'international. C'est une sorte d'Erasmus de la solidarité internationale, mais c'est tout à fait, ça rentre tout à fait dans les perspectives que tu donnais à la fin. Merci donc. Philippe Sécrestan, je vais me tourner vers vous. Emmanuel Porte a évoqué la Ligue et de l'enseignement. Il a évoqué les Francas, il a évoqué les CMA. Il a aussi évoqué les pédagogies alternatives et les pédagogies nouvelles portées par les organismes de l'éducation populaire. Et là, sur ces questions-là, on pense effectivement tout de suite aux CMA, qui sont peut-être restés les plus impliqués dans l'économie, le CMA, mais hélas pour l'ensemble du champ, les plus impliqués dans l'éducation populaire. Alors je voulais savoir quelle était votre d'abord que vous nous présentiez les CMA et quelle était votre vision actuelle de l'état de l'éducation populaire et en quoi elle est indispensable dans son développement aux associations et à l'idée même d'émancipation. Bonjour, bonsoir plutôt. J'ai été présenté comme ancien permanent des CMEA sur les questions de formation professionnelle, mais mon intervention, elle est plutôt en tant que militant de l'éducation populaire dans différentes organisations, au CMEA bien sûr, où j'ai travaillé longtemps, mais aussi à la FSGT, où je suis très impliqué, et aussi au Secours Populaire. Voilà. Donc ce n'est pas une parole d'universitaire que vous allez entendre là, mais une parole de militant, hein, je le dis. Et puis en même temps, c'est mon parcours. C'était bien ça qui était pas. Oui, voilà. Et en même temps, c'est mon parcours parce que l'éducation populaire, maintenant que j'en suis un militant, mais avant, j'en ai été, je ne sais pas comment on peut dire, un bénéficiaire, quoi. Donc, je me suis formé par le biais des organisations et des pratiques de l'éducation populaire. Voilà. Mon propos, ça sera de partir de deux pratiques concrètes et d'essayer de montrer dans ces pratiques concrètes quelles sont les idées forces un peu et l'intérêt de l'éducation populaire, quoi. Voilà. Alors, je vais partir d'une pratique qui vient des CMEA, c'est-à-dire un institut de formation professionnelle et de promotion sociale pour les salariés du champ de l'animation et du travail social. Et une deuxième pratique, ce sera à partir d'un gros club sportif autogéré de 800 adhérents, fédéré à la FSGT, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail. Et en décortiquant ces deux pratiques concrètes, je vais essayer de dégager ce qui, d'un point de vue militant, me paraît fort et intéressant dans l'éducation populaire. Voilà. Alors, peut-être démarrer, donc j'ai réfléchi à ces deux pratiques qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble pour trouver ce qu'elles avaient de commun, quoi. Donc j'ai retenu sept choses, en fait. La première idée, c'est qu'à chaque fois, il s'agit d'actions collectives. C'est une évidence, mais dans les deux cas, ce ne sont pas des personnes, mais bien des collectifs et des collectifs qui se parlent, qui élaborent ensemble, qui vont agir, quoi.
Le deuxième point qui me paraît intéressant, surtout si on veut le comparer à l'action politique, c'est qu'il s'agit toujours d'agir sur un domaine précis, concret, pour obtenir des résultats tangibles. Voilà. Le troisième aspect, ben, c'est une évidence pour vous, hein, c'est que le point de départ, c'est toujours le refus d'une injustice, d'une inégalité, d'une discrimination. Ça démarre comme ça démarre par non. Non, ça ne se passera pas comme ça, on va faire quelque chose. C'est quand même ça qui va enclencher systématiquement les actions, quoi. Voilà. Le quatrième point, c'est que ce refus d'une situation intolérable va générer un projet, une envie d'agir construite, élaborée, mais un projet très concret, ici, maintenant et avec ces gens-là, quoi. Voilà. Et pour mener à bien ce projet, eh ben, les organisations vont devoir innover, imaginer des manières de s'y prendre pour arriver à transformer une réalité qui n'est pas supportable. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant et de très créatif, en fait, de la part des mouvements d'éducation populaire, quoi. Voilà. J'ai encore deux points, c'est que les acteurs qui vont mener cette action-là sont engagés dans le sens où ils y vont avec leur cœur, avec des valeurs, avec des positionnements politiques aussi. Ce n'est pas des techniciens froids ou des exécutants plats. Voilà, donc ça vibre à ce niveau-là, quoi. Et enfin, la dernière idée, qui me paraît la plus importante, c'est que cette action collective pour agir sur une injustice, sur une situation insupportable, collective, elle va en même temps générer la promotion des personnes qui mènent cette action-là. Voilà. Et donc là, tout à l'heure, l'intervenant précédent parlait de Paolo Freire. Donc moi, j'ai fait que deux citations dans le propos, mais en voilà une première. C'est celle de Paolo Freire qui dit « Personne ne s'éduque tout seul, personne n'éduque autrui. Les hommes, les gens s'éduquent ensemble par l'intermédiaire de leur action sur le monde et de leur action pour transformer ce monde. » Voilà. Et ça me paraît être vraiment quelque chose de fort dans l'éducation populaire, c'est-à-dire la capacité à lier d'une manière indissociable, agir pour transformer et en même temps promouvoir, favoriser le développement des personnes qui mènent cette action-là. Voilà. Alors j'y vais sur mes deux petits exemples, hein. Le premier exemple, donc, il est tiré des CMEA. Je dis un petit mot sur les CMEA. C'est un mouvement d'éducation populaire, un mouvement d'éducation nouvelle aussi, dont l'objet est la formation. Hein. Il s'agit de contribuer à la formation des acteurs du champ de l'éducatif, du social et du culturel, que ce soit des professionnels ou des bénévoles. Voilà. C'est pour situer globalement l'action des CMEA. On est surtout connu parce qu'on s'est préoccupé des enfants et des colonies de vacances historiquement, mais on a aussi travaillé dans le domaine de la psychiatrie, du travail social, de l'accompagnement culturel. On n'est pas que des gens des colonies de vacances, même si on est très fiers et très marqués par cette histoire des colonies de vacances qui nous ont aidés à penser d'autres manières d'imaginer la vie collective, en fait, quoi. Mais là, je ne vais pas parler des colonies de vacances, je vais parler d'un institut de formation professionnelle de promotion sociale des salariés. Donc le point de départ, c'est un constat. Il y a une partie de la jeunesse qui est sans perspective d'emploi, sans perspective de qualification, sans perspective de développement, de prise de responsabilité, de création. Et puis, pour le coup, bah, avec peu de perspective de développement personnel, quoi. Voilà. Et le deuxième constat, ça fait suite à l'intervention précédente, c'est que les pratiques d'animation qui se sont développées à partir des années 70 marquent le pas et ce sont un peu des interventions technicistes où on vise à former des consommateurs de loisirs. Il y a un peu une perte de sens dans les pratiques d'animation, une perte de sens et une perte de qualité un peu. Voilà, donc à partir de ces deux constats, la situation intolérable d'une partie de la jeunesse et le glissement dont parlait Emmanuel avant sur les pratiques d'animation, et ben voilà, notre projet il s'origine à ce moment-là. Voilà. Alors, donc, ben l'idée, c'est de mettre en place une possibilité de se former pour ces jeunes-là, dans l'état où ils se trouvent, et en même temps, de former des professionnels qui seraient porteurs d'une combativité, d'une créativité, d'une énergie qui vise à transformer les choses, quoi. Alors, quels sont les points forts de cet institut de formation, pour aller dans le concret ? D'abord, on s'adresse aux gens qui travaillent sans qualification, ce qui est assez banal dans le monde de l'animation.
La formation se déroulera pendant le temps de travail. Elle sera gratuite pour les personnes qui vont s'engager, c'est-à-dire que les frais seront couverts soit par l'État, soit par les employeurs, par l'intermédiaire de nombreux dispositifs qui peuvent exister. Il n'y aura pas de sélection élitiste pour chercher les meilleurs, comme on fait parfois dans les grandes écoles ou dans d'autres lieux, mais partir de principes simples, tu as envie de le faire, tu as une situation professionnelle qui correspond à ce sur quoi tu veux te former, et tu vas pouvoir t'appuyer sur une pratique réelle. Donc, à partir de ce moment-là, tu as ta place forcément à l'intérieur de l'Institut et poursuivre le parcours, quoi. Voilà. La formation débouchera sur des diplômes reconnus par l'État et pas uniquement sur une qualification un peu légère. Et les parcours vont être longs. Ça sera, les gens vont venir une semaine par mois pendant un an, deux ans ou trois ans, selon le diplôme auquel ils se préparent. Autre caractéristique, ici, on formera des gens sur une conception engagée du métier. Et ça sera annoncé à l'entrée. C'est en ça qu'on est aussi sur une organisation militante et non pas sur une organisation qui permettrait aux gens d'aller travailler partout. Ici, on forme des animateurs d'éducation populaire. C'est écrit sur les papiers que reçoivent les gens dès qu'ils veulent s'inscrire, quoi. Voilà. Et donc la pédagogie de la formation qu'on va mettre en place, elle va forcément se différencier de la pédagogie qu'on pourrait appeler scolaire ou traditionnelle, en tout cas celle où ces jeunes-là ont notamment déjà échoué, quoi. Voilà. Donc le gros de la formation, ce ne sera pas une succession de cours où les gens viennent écouter des experts, mais ce sera d'abord et surtout posé sur la pratique et l'expérience des personnes qui sont présentes en formation. Et la formation, qu'on appellera formation action, va demander aux gens de réaliser des choses sur le terrain et de transformer des choses sur le terrain. Et on fait le pari, mais on le fait depuis 1971, donc ça commence maintenant à savoir que ça se marche bien, quoi. C'est en agissant et en pratiquant sur le terrain des activités intéressantes avec des publics qu'ils vont eux-mêmes se former. On est bien là dans une logique de formation action, voyez, on est sur la logique du chef-d'œuvre, en fait. C'est en faisant des vraies choses, voilà, que je peux me former, et non pas en ayant d'abord une formation et après une mise en application. Autre caractéristique, c'est les formateurs. Donc les formateurs de ce lieu-là, ça va être essentiellement des anciens professionnels qui sont passés par ce chemin-là et qui s'appuient sur leur expérience antérieure pour jouer un rôle de formation. Enfin, il n'y aura pas de séparation entre la formation du professionnel pour qu'il prenne des responsabilités. Les responsabilités, ça peut aller de l'animateur qui fait des activités périscolaires au directeur du centre social qui gère une équipe de 50 salariés. C'est vaste, les métiers de l'animation, hein. Et on intervient à tous les niveaux de formation et de diplôme qui existent dans ce champ-là. Mais dans tous les cas, il ne sera jamais séparé la formation du professionnel et la formation de la personne. Voilà, le salarié, c'est une personne, on ne peut pas dissocier les choses et on ne veut pas le faire. Donc la formation accorde une grande importance à des questions qui ne sont pas directement professionnelles, comme par exemple l'accompagnement culturel, le rapport à l'écriture, les relations hommes-femmes, la capacité à comprendre comment on est dans un groupe et comment on agit avec les autres. Voilà. Et tout ce travail sur la personne, là, fait aussi partie du voyage. Et en général, les gens terminent ces formations en étant profondément modifiés. On espère qu'ils ont acquis des compétences professionnelles, qu'ils vont pouvoir agir mieux sur le terrain, et aussi qu'ils se sont transformés et qu'ils se sont développés. Voilà, rapidement, pour essayer de montrer comment l'éducation populaire peut inspirer un dispositif de formation professionnelle, tout ça se déroulant dans les cadres obligatoires et légaux de la formation professionnelle, et c'est un domaine où il y a moult contraintes. Voilà. Je change de monde, hein, et là on passe maintenant dans le monde sportif et comment l'éducation populaire peut inspirer et éclairer la pratique sportive. Et là on est à la FSGT, donc un petit mot rapide sur la FSGT. La FSGT, Fédération Sportive et Gymnique du Travail, qui a aussi un label éducation populaire, même si à l'intérieur de la FSGT, les 370 000 adhérents, il y en a très peu qui utilisent ce mot, ni même qui le connaissent. C'est pas un mot qu'on utilise dans le monde sportif, l'éducation populaire, enfin, on l'utilise peu, mais il n'empêche que les pratiques, elles sont bel et bien d'éducation populaire, et je vais essayer de le montrer. Donc la FSGT, ça naît en 1934,
Bien sûr, la naissance, c'est toujours important. C'est la fusion entre une fédération sportive communiste et une fédération socialiste. Dans 1934, une période fortement marquée par une agitation d'extrême droite, tentative de coup d'État, etc. Et cette fusion-là, elle préfigure un petit peu le Front populaire, en fait, quoi. Mais uniquement sur le champ sportif. Trois idées, hein, si on veut simplifier la FSGT, permettre l'accès de tous aux pratiques sportives. Et quand on dit tous, il faut l'entendre dans toutes les choses qui empêchent les gens d'aller à la pratique sportive, que ce soit des questions corporelles, des questions financières, des questions symboliques, des questions d'éloignement, des questions d'argent. Donc essayer de lever tous les obstacles pour accéder à la pratique sportive. Deuxièmement, promouvoir des pratiques sportives qui soient un peu, comment je pourrais dire, dépoussiérées, dégagées des excès et des défauts de la pratique sportive intensive. Et troisièmement, que ces pratiques sportives soient autogérées par les pratiquants. Ce qui est facile à dire, mais assez difficile à faire, en fait. Voilà. Alors, comment on fait ça? Je repars d'un exemple concret. Donc, c'est un club parisien dans le 14e arrondissement. Il y a 800 adhérents. Et le choix est fait dès le départ. On ne veut pas de salariés. Voilà. On veut que tout soit intégralement fait par les gens eux-mêmes. Alors, les points forts. Pas d'entraîneur. Quand quelqu'un adhère au club... Ben, il y en a 200 qui rentrent chaque année. Ils sont accueillis par les anciens et les anciens vont les rendre autonomes à partir d'une organisation qu'on a imaginée qui va permettre aux gens, d'une part, de devenir autonomes du point de vue de la sécurité et de la pratique de l'activité. Il s'agit de l'activité escalade et alpinisme ici, là. Et en même temps, par ce processus d'accueil, de rencontrer des gens, de faire connaissance avec eux et de s'intégrer rapidement à la vie associative. La deuxième idée, c'est qu'il n'y aura pas de pratique limitée. Il n'y aura pas pour certains la pratique sur le mur d'escalade et pour d'autres accès aux grands espaces symboliques de l'alpinisme, au ski de randonnée, etc. Mais toutes les formes de la pratique, tout le monde sera invité à voir toutes les formes de la pratique. Voilà, y compris la falaise, la montagne, le ski de randonnée, l'alpinisme, etc. L'ensemble des activités est organisé sous forme de pôle d'activité bénévole. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive, on lui explique, il voit ici, bah, tout ce qui se passe, c'est les gens eux-mêmes qui le font, donc est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent? Et il y a 13 pôles d'activité bénévole qui vont permettre aux gens de s'engager soit dans la gestion du site informatique, soit dans l'équipement des voies d'escalade, soit l'entretien du matériel, soit l'accueil des bébés, soit les activités solidaires qu'on mène par exemple avec le Secours Populaire Français ou avec d'autres, quoi. Voilà, donc les gens sont invités à prendre mais aussi à donner par rapport à ça. Bien sûr, rien n'est obligatoire, hein, y a pas de contrôle de quoi que ce soit, mais le principe de fonctionnement est posé comme ça et ça fonctionne pas si mal. Voilà. 3 minutes, ok. Bon. D'autres formes de compétition, là où il n'y a pas d'élimination, je ne peux pas développer parce que ce serait trop long, mais ça devient très rigolo la compétition à partir du moment où tout le monde peut jouer et où personne n'est éliminé. Voilà. Et puis, une activité sportive inscrite dans la vie de la cité, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de partenariats pour faire découvrir l'escalade ou la montagne au public qui ont peu ou pas accès. Voilà. Et ça... c'est quelque chose qui intéresse énormément les adhérents, même s'ils ne sont pas venus pour ça, quoi. Voilà. Alors, 3 minutes, donc je termine. La vie démocratique, quand même, il faut en dire un mot. On ne peut pas dire des choses sur la pratique sportive où chacun doit être autonome et en même temps dire dans l'association, il y a un bureau qui va décider de toutes les choses importantes et vous pourrez juste venir de temps en temps nettoyer les chaussons ou plier les cordes ou des trucs comme ça, ça ne va pas. Donc il faut que la forme de vie démocratique corresponde avec le projet. Donc le bureau se tient uniquement sur les tâches administratives et il existe des formes de vie démocratique qu'on a inventées, qui sont adaptées à notre structure, à nous, qui ne pourrait pas copier pour d'autres, quoi. Donc on a un collectif d'animation qui se réunit tous les mois, tout le monde peut y venir, et toutes les décisions se prennent là, sur la base du consensus. Et ça fonctionne depuis 15 ans, donc c'est que ça nous satisfait, à nous, pour notre pratique, à nous. Voilà. Donc moi, je terminerai pour conclure que ce qui m'intéresse là-dedans, en tant que militant, c'est que ces formes de vie associative portées par l'éducation populaire, ça permet de montrer qu'il est possible d'imaginer d'autres types de sociabilité, d'autres types d'actions collectives où on n'est pas sur le champ de la rentabilité, hein, les bénévoles ne se soucient pas de rentabilité, on n'est pas sur le champ de l'entre-soi, de la communauté des mêmes, etc. C'est des gens qui sont de milieux relativement divers et qui arrivent à coopérer ensemble et à faire des choses complexes et élaborées ensemble
par le biais de cette méthode. Et ça, quand on voit la situation actuelle, je pense à l'épidémie, à la situation internationale, le besoin de perspectives d'avenir qu'on a tous, moi, c'est ça qui me paraît extrêmement intéressant, d'avoir ces lieux-là où les gens sont capables d'inventer et d'agir concrètement dans le sens d'une transformation et qui est modeste, mais qui est concrète, quoi. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Ce sont deux expériences tout à fait, j'allais dire, enrichissantes que tu nous as donné là et qui complète bien le tableau présenté par Emmanuel. Et maintenant, on va parler des pratiques internes, enfin des pratiques au sein du Secours populaire, avec José Collat de la Fédération du Val d'Oise, qui va nous présenter d'abord en quoi l'éducation populaire est intégrée dans les pratiques même du secours et quelques expériences que tu as pu mener. Oui. Bonsoir. Donc je ne serai pas aussi long. Donc, concernant ce séminaire, on m'a demandé d'intervenir par rapport à la recherche-action. Donc, ce sont des ateliers qui ont été mis en place depuis 2-3 ans, je pense, par l'Institut de formation. Et donc voilà. Donc la méthodologie de la recherche-action, donc, c'est une méthode participative qui est constituée d'un collectif d'acteurs qui se réunissent afin de résoudre ensemble un problème de pratique rencontré sur leur champ d'action. Pardon. Concrètement, ces recherches visent une participation des acteurs sociaux dans un processus de recherche de la construction du sujet à traiter jusqu'à la production des connaissances pour améliorer la pratique. Elles s'appuient sur la capacité des personnes à observer, réfléchir, analyser et expérimenter par eux-mêmes et collectivement des solutions pour améliorer leur pratique de la solidarité. À la base de la recherche-action, de tout atelier de recherche-action, il y a l'intuition de quelques amis qui sentent la nécessité de changement ou d'amélioration d'une pratique pour garantir une solidarité plus en phase avec nos valeurs, notre mission et nos orientations. Fort de cette intuition, les amis doivent avant tout obtenir un mandat du comité départemental pour démarrer un atelier recherche-action. Ça leur permet d'avoir une certaine légitimité, notamment sur les interventions au niveau du terrain dans les différentes structures de leur département. Pour les accompagner dans cette démarche, l'Institut de formation a mis en place une formation à destination des animateurs de l'atelier recherche-action. Être animateur d'atelier fait appel à plusieurs savoir-faire, maîtrise de la démarche, capacité à présenter la démarche aux amis pour susciter leur adhésion, capacité d'animation, capacité à rédiger le journal de l'atelier pour en conserver les traces, et par le rapport final qui sera présenté en fin d'atelier au comité départemental pour approbation et pour éventuellement déploiement au niveau du département. Alors, concernant ma fédération, donc la Fédération du Val d'Oise, alors juste pour vous situer un peu le contexte, l'atelier nous a été présenté, enfin cette démarche nous a été présentée en 2019. À l'époque, j'étais le comptable de la fédération. Donc, depuis, il y a eu des évolutions et depuis quelques mois, je suis devenu le directeur de la fédération. Et la Covid-19 a fait que finalement, l'atelier qui aurait dû se terminer en 2020, fin 2020, ne s'est terminé que le mois dernier, il y a 2 mois. Donc, il y a eu cette phase. La démarche nous a été présentée et contrairement à d'autres fédérations qui avaient déjà mis en place des ateliers recherche-action sur des domaines différents tels que l'alimentaire ou l'intégration de la santé au niveau des permanences d'accueil, moi qui étais le comptable à l'époque, je m'étais dit que finalement on pouvait éventuellement revoir ces pratiques de comptabilité et harmoniser sur l'ensemble des structures les pratiques et les procédures. Puisque bon, le constat est fait quand même que dans nos structures, les trésoriers ne sont pas forcément comptables. Et malheureusement, certaines personnes ne sont pas adaptées à tout ce qui est numérique, logiciel, Excel, etc. Donc il fallait à un moment donné... Le principe, c'était de dire que moi, je m'adaptais de ce qui était transmis à la fédération, mais que si demain, je n'étais plus le comptable... Il fallait bien que la personne qui allait reprendre derrière moi ait des méthodes communes pour éviter de trop réfléchir à comment interpréter ce que les amis des comités voulaient mettre en place. Donc,
Suite à cette réflexion, on ressentait donc cette nécessité de vouloir revoir et unifier la gestion comptable des structures. Et donc on a souhaité utiliser cette méthode donc, qui était innovante parce que quand on a présenté ça lors du premier module de la formation, Patrice Dapp, qui était donc le formateur, m'a regardé avec des grands yeux en me disant, enfin, il voyait pas du tout comment interpréter cette problématique par rapport à la recherche action, puisque bon, on n'avait pas ces, on avait l'état des lieux, et de cet état des lieux, on a fait en sorte d'harmoniser les pratiques. Il a fallu constituer une équipe. Donc cette équipe a été constituée de trésoriers, de secrétaires généraux et de bénévoles classiques hein, qui sont donc sur le terrain à longueur d'année. J'ai été l'un des animateurs. Donc l'animation, on m'a fait comprendre dès le départ qu'il fallait que je quitte cette casquette de comptable pour pas orienter les débats, pour pas orienter les recherches. Donc, notre atelier donc, a été composé, comme je le disais, de trésoriers, de secrétaires généraux et de bénévoles. Ça a permis d'enrichir les travaux. Ça a permis d'avoir une approche du terrain, puisque tout ce qui a été mis en place donc, durant ces 2 ans ont été testés. Donc, finalement, il y avait le côté théorique. Les tests au niveau du terrain ont fait que, finalement, les documents étaient pas forcément adapté aux besoins, donc ça a été retravaillé. Des documents qui avaient été validés par les ateliers, bah finalement, la fois d'après, on s'était rendu compte que c'était pas du tout adapté, donc ont été remodifiés, retravaillés, et on en est arrivé à finaliser toutes ces procédures, tous ces documents, et qui seront présentés lors du prochain comité départemental au mois d'avril, afin d'être mis en place sur l'ensemble des structures du département. Ça m'a permis d'avoir un regard différent de l'approche de l'éducation populaire, dans le sens c'est que jusqu'à présent, on imposait finalement des procédures à la base qui, sans forcément tenir compte des contraintes qui étaient celles des bénévoles au niveau du terrain. Donc ces échanges nous ont permis de finalement partir de la base, des contraintes qui leur étaient propres, et de travailler à des documents qui puissent éventuellement être adaptés à leurs contraintes, tout en étant adaptés aux besoins qu'on avait au niveau de la fédération. Alors, il faut savoir qu'au niveau de notre fédération, on a fait le choix de traiter toutes les comptabilités des structures, donc sur Ciel Compta. Comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, du fait que tous les trésoriers ne sont pas forcément comptables et que les outils qui existent aujourd'hui n'étaient pas forcément adaptés à l'ensemble des structures et qu'on voulait quelque chose qui soit commun à toutes les structures et pas avoir des structures sur Comptacom ou d'autres structures sur d'autres systèmes. Donc voilà grosso modo mon expérience. Et j'incite les fédérations, à prendre le pas et puis à mettre en place des ateliers recherche action, puisque beaucoup de domaines sont potentiellement exploitables, notamment l'alimentaire et la santé par rapport aux permanences d'accueil, je pense. Voilà, c'est tout pour moi. Je te remercie. J'étais rapide. Hein. C'est dans les temps. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage parce que ça montre comment le secours s'empare de ces outils de l'éducation populaire et pour avancer et pour augmenter leurs pratiques. Justement, c'est sur le terrain de l'évaluation que vous vous situez, Hélène Duclos. Vous connaissez bien le secours populaire. Vous avez participé à une mission d'évaluation des villages copains du monde. Vous êtes déjà intervenu dans des séminaires populaires sur ce thème même de l'évaluation. À partir de ce regard que vous portez, comment jugez-vous l'état actuel de l'éducation populaire et comment, à vos yeux, est-il le ressort pour que ça change à l'intérieur de nos organisations et pour aller à mieux? Merci beaucoup, bonjour, donc je suis Hélène Duclos.
J'ai eu la chance d'accompagner le Secours populaire dans un travail d'évaluation de l'utilité sociétale des villages copains du monde. Donc c'est un travail qu'on a mené à partir de 2019. C'est vrai qu'avec le Covid, tout a été un petit peu retardé. Juste pour vous dire deux mots peut-être de ce qu'est l'évaluation de l'utilité sociale. Et prendre le temps peut-être de la différencier aussi de la notion d'évaluation d'impact. On entend beaucoup parler en ce moment d'impact social. Et c'est vrai que des fois, l'impact social, on peut le percevoir finalement comme une logique de performance, une de plus. Finalement, on va être performant sur tout, et y compris sur le social. On essaie, nous, de l'aborder de manière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'on va s'interroger finalement, avoir un impact, ok, mais pourquoi ? Quel est le sens de l'action ? Finalement, quelle vision du monde on porte ? Et une fois qu'on a clarifié cette vision du monde, la contribution qu'on veut apporter à ce monde-là, là, on va aller voir, effectivement, ben, si on y contribue ou pas. Et on est rentré par là sur le travail avec les villages copains du monde. C'est-à-dire qu'on a commencé à prendre un premier temps pour essayer de se dire, mais finalement, quelle est cette vision du monde ? Vers quoi les villages copains du monde tendent ? À quoi est-ce qu'ils veulent contribuer ? Donc, on voit qu'il y a une vision transformative dès le départ, en fait, en termes de posture sur les villages copains du monde. Et on a réussi à qualifier finalement l'utilité sociale des villages, sociétale pardon, des villages copains du monde comme étant grandir l'humain ensemble, grandir l'humanité ensemble. Chaque mot a de l'importance, c'est-à-dire grandir, et on voit bien, ça se réfère tout de suite à cette question un peu d'éducation populaire, ensemble. Effectivement, j'entendais tout à l'heure, c'est pas il y a un sachant, on construit ensemble, on grandit ensemble, et puis on est vraiment centré sur la question de l'humanité. On a travaillé en deux temps. Un premier temps, on a qualifié cette utilité sociétale-là. On l'a fait notamment avec les fédérations. Il y a beaucoup de fédérations qui ont participé à ce travail-là. Et puis, on est allé voir plusieurs villages copains du monde, voir comment ça se passait très concrètement, quelles étaient les pratiques qui se mettaient en place avec les enfants. On a aussi pu, notamment à Madagascar, je salue la personne du comité qui est là, on a notamment eu la chance de rencontrer des enfants qui avaient participé à des séjours, plusieurs séjours auparavant. Donc on a rencontré des enfants qui avaient participé 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc c'était intéressant, on a rencontré des jeunes adultes qui quelque part s'étaient formés avec les villages copains du monde. Donc on a une phase comme ça qualitative, on a fait plus de 250 entretiens, pour vous donner un petit peu une idée, rencontrer des adultes, des enfants, des partenaires, des encadrants, des bénévoles, des salariés. Et puis, une fois qu'on a clarifié cette dimension de l'utilité sociétale, eh bien on a mené une enquête auprès des enfants et des adultes pour voir si ce qu'on avait perçu en termes d'entretien, c'était une réalité ou pas. Est-ce que c'était une petite réalité ou si c'était une grosse réalité ? Je vous rassure, c'était une grosse réalité. En écoutant les intervenants, j'ai pris des petites notes. Qu'est-ce qui me semble comme ça ressortir des pratiques d'éducation populaire ? D'abord, ce qui est intéressant, on est effectivement autour sur du collectif. C'est-à-dire que les villages copains du monde, ça va être des enfants qui vont être regroupés autour d'une thématique qui est l'apprentissage de la solidarité. Et on va avoir dans ces villages-là, souvent, notamment en France, des délégations étrangères. Donc on a une mixité culturelle qui est très forte. Autre élément qui me semble vraiment relever de l'approche de l'éducation populaire, c'est qu'ils apprennent par l'expérience, ils font ensemble. Et c'est en faisant ensemble qu'ils découvrent les différences, qu'ils grandissent, qu'ils apprennent des règles du vivre ensemble. Donc, dans les pratiques que vous avez situées, par exemple, je me souviens au Liban, il y avait des enfants, alors c'était assez intéressant au Liban, il n'y avait pas d'enfants de plusieurs de différentes délégations étrangères, mais par contre il y avait des enfants qui venaient de plusieurs communautés, que ce soit en termes de religion, mais il y avait aussi des réfugiés de différentes origines. Et je me souviens d'enfants qui, au début du séjour, pleuraient, parce que comment ça, je vais dormir dans la même tente qu'un Palestinien, non, 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 et au bout de 2 jours, ils étaient les meilleurs copains du monde. Donc voilà, il y a vraiment une peur de l'autre. Et comment part en faisant ensemble, en jouant ensemble, et ben on dépasse ça. Et donc il y avait des petites scènes de théâtre où en gros on les voyait, comment est-ce qu'on part d'un conflit et comment est-ce qu'on arrive à trouver des solutions ensemble. Donc des choses très très concrètes de ce type-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait les enfants ne parlent pas la même langue. On pourrait se dire mais c'est un frein.
Et en fait, pas vraiment. Alors évidemment, il faut trouver des traductions, il faut trouver des systèmes, mais avec la barrière de la langue, on est obligé d'être très attentif à l'autre. Donc ça développe une forme d'écoute qui est très riche. Et puis ça développe aussi une exigence en termes de dynamique d'animation. C'est-à-dire que il va falloir qu'on traduise, il va falloir qu'on utilise le mime. Les expressions du visage sont très importantes. Donc on développe d'autres formes de communication. Dans le rapport, on a parlé de communication authentique. Parce qu'on cherche vraiment à aller à la source de ce qu'est l'autre pour pouvoir échanger avec. On apprend tout le temps. Ce qui est intéressant dans le travail qu'on a pu faire, c'est qu'on a vu que les enfants apprenaient, mais les adultes aussi apprenaient. On a eu beaucoup de retours d'adultes qui ont dit vraiment ça enrichit nos pratiques. Ce qui était intéressant d'ailleurs, quand on a fait l'étude quantitative, c'est qu'on a vu qu'il y avait beaucoup d'adultes qui par ailleurs travaillaient avec les enfants. Ou profs, ou animateurs. Et ils disent vraiment que ça enrichit leurs pratiques, spécifiquement les villages copains du monde. Alors bon, ça c'était un peu pour ce qu'on a. Les pratiques, qu'est-ce qui ressort de ce travail-là? D'une part, clairement, les villages copains du monde sont un outil de construction de l'identité. Et l'identité se construit dans la relation avec l'autre. C'est une construction par l'altérité. Pour ça, les villages copains du monde vont créer un cadre favorable. Donc on est sur un cadre sécurisé, protecteur. Il faut voir qu'il y a des enfants qui, dans leur quotidien, vivent des choses pas toujours très faciles. Et là, c'est un cadre où ils peuvent se poser. Et une fois qu'ils sont posés, ils peuvent s'exprimer. Une des premières étapes, c'est de se sentir en capacité de s'exprimer et libre de s'exprimer. Et on est sur des taux autour de 80, presque 90% d'enfants qui disent « Oui, j'ai pu m'exprimer complètement librement ». Ils vont, donc, voilà, un cadre qui est protecteur et où les enfants vont apprendre à prendre soin des autres. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de bienveillance. On prend soin de soi et on prend soin des autres. Ils vont apprendre tout un tas de savoir-faire relationnels sur des choses très concrètes. Hein. On va être ensemble 24 heures sur 24. Comment est-ce qu'on se comporte avec l'autre? Comment est-ce qu'on se comporte avec quelqu'un qui est différent? Ah oui, il est différent. Mais finalement, on a pas mal de points communs. On s'est aperçu qu'à travers les différences, ils apprenaient l'universel. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout deux choses en opposition. C'est qu'on voit que l'autre est complètement différent de soi. Et pourtant, en faisant ensemble, on s'aperçoit qu'on a plein de points communs. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'assez riche. Et puis, ils vont apprendre des choses aussi très basiques. Hein, faire des tâches, toutes les tâches, le ménage, voilà, comment on s'organise ensemble. Ils vont se donner des règles collectives ensemble, quand les petits conflits, comment est-ce qu'on les gère. Ils créent des espaces de régulation ensemble. Donc, quelque part, ils apprennent la démocratie. Ça, c'était quelque chose d'assez intéressant. Et puis, ils apprennent aussi ce qu'on va appeler tout ce qui va être les compétences psychosociales. Comment est-ce qu'on gère ses émotions? Comment est-ce qu'on gère la relation qu'on n'est pas d'accord avec l'autre? Donc, tout ça, ça fait partie de la construction de l'identité. Et in fine, on s'aperçoit que ça va générer des relations apaisées avec l'environnement. On a eu beaucoup de retours des parents qui disaient quand il est revenu, il était vraiment très différent. Plus à l'écoute de son frère ou de sa sœur. Moi, dans l'opposition, on a eu des enfants qui nous disaient avant, je criais, je me battais. Maintenant, j'essaye d'écouter, puis je ne veux plus la bagarre. Voilà, on avait des choses de ce type-là. On a senti aussi que les enfants acquis une estime d'eux-mêmes, une confiance en soi, parce qu'ils étaient pris en considération par l'autre. Les villages copains du monde accordent beaucoup d'importance à la question des droits de l'enfant. D'ailleurs, c'est intéressant parce que une grande majorité des enfants, quand ils reviennent chez eux, ils parlent des droits des enfants. Ils parlent des droits des enfants à leur famille, à leur environnement. C'est vraiment quelque chose qui est complètement intégré. Et le fait de s'être senti pris en considération, ça fait partie aussi de la construction de leur identité. Et en ce sens-là, moi, je rattache ça aussi vraiment à l'éducation populaire parce que je pense que c'est un peu des fondamentaux pour une émancipation. C'est-à-dire d'abord, acquérir cette confiance en soi, trouver les règles de fonctionnement dans la relation à l'autre et du coup, pouvoir s'ouvrir au monde. Il y avait une petite fille, on m'a demandé de donner des exemples, alors j'en profite. Une petite fille qui disait, avant, quand elle sortait avec ses copines, c'était les copines qui décidaient tout. Elle n'osait pas. Maintenant, c'est elle qui propose les sorties aux copines. Voilà. On est parti de l'enfant. Si on élargit un peu, on voit aussi que les villages campagnes du monde, ils permettent de relier des mondes.
les enfants vont prendre conscience que ben il y a un ailleurs, il y a une autre géographie, il y a des enfants qui vivent dans des conditions qui sont très différentes des leurs. Et là, ce qui va être intéressant, ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on est sur des récits incarnés. C'est-à-dire que les enfants, ça se passe à la maison, comment ça se passe, les règles de fonctionnement. Donc, ce n'est plus du tout des choses théoriques. Alors, autre élément, c'est que ensuite, ces enfants qui vont tisser là, ils vont garder des liens avec les enfants par la suite. Une très grande majorité d'enfants restent en relation avec les autres. Et là, je suis prête, j'en sais rien, mais je suis prête à parier que les enfants qui ont été sur des séjours où il y avait des enfants ukrainiens, en ce moment, ils sont en train de se mobiliser, ça m'émeut, ils sont en train de se mobiliser pour proposer des choses. On a eu des exemples vraiment très forts, c'est-à-dire que ils intègrent un autre monde et ils veulent être solidaires avec cet autre monde. Je ne pensais pas que ça allait me faire ça. Ça fait des effets aussi sur les adultes, vous voyez. La moitié des enfants qui participent au village Copain du Monde rejoignent ensuite un club Copain du Monde pour continuer à agir. Et alors, l'action peut se faire dans le cadre de ce club-là, mais elle se fait aussi au quotidien, avec les voisins dans leur environnement. Il y a 80% des enfants qui ont répondu, qui ont mené une action solidaire suite au village Copain du Monde. Enfin, c'est énorme. C'est-à-dire, c'est vraiment qu'ils ont pris en considération qu'ils étaient un acteur du monde. Que vous dire d'autre ? Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on voit vraiment que les villages Copains du Monde, et ça, c'est aussi une action de l'éducation populaire, c'est-à-dire que c'est vraiment un lien entre la construction de l'identité et le rapport au monde. Ça devient des acteurs du monde. Ils s'engagent. Alors là, je parle des enfants, mais c'est aussi le cas des adultes. Tout à l'heure, vous disiez... Alors, sur les adultes, souvent, ils sont engagés au départ. Mais par contre, ils nous disent tous où on est, sur, là aussi des taux très importants, que d'une part, les villages copains du monde, c'est un moyen d'incarner leurs valeurs, d'exprimer leurs valeurs, et de ressortir renforcé de tout ça pour continuer à mener des actions derrière. Donc ça, c'est un point qui a été assez fort. On parlait du refus de l'injustice. Voilà, en gros, si on ne fait pas, qui va le faire? Il faut agir. On a eu beaucoup de témoignages de ce type-là. Les animateurs, d'ailleurs, nous disent que ce sont des séjours qui sont très engageants. C'est-à-dire que voilà, ça demande un investissement et qu'en même temps, ça vient leur apporter une richesse qui va renforcer leur investissement par la suite. Et alors, on peut comprendre ça sur des animateurs qui ont déjà été formés à ce genre de choses. Mais on a des retours aussi, par exemple, du cuisinier, qui ne va pas cuisiner tout à fait pareil que comme il cuisine ailleurs. C'est-à-dire qu'il va essayer de prendre en considération les différences de culture. Il va y mettre du cœur. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je pense que j'ai un peu balayé. Rapidement, je sais pas où j'en suis. J'ai une question à vous poser. En quoi, justement, vous avez parlé des animateurs sur la fin, en quoi les pratiques ou cette rencontre avec les enfants dans les villages transforme les animateurs eux-mêmes et participe à leur évolution dans l'animation même ou dans leur pratique de solidarité, pratique sociale? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord que... les animateurs, ce n'est pas forcément que des animateurs, parce que ça peut être aussi des bénévoles. Enfin, en gros, déjà, on a aussi un mélange salarié-bénévole qui est très intéressant. Par exemple, on a des gens qui étaient dans l'enseignement qui disent, mais finalement, nous, on est en contact avec des enfants, mais dans un cadre particulier. Là, on vit avec eux et on a une approche de l'enfant qui est beaucoup plus globale, par exemple. Donc ça, c'est un retour qu'on a eu assez souvent. On a eu des retours aussi sur une capacité à mieux prendre en considération les personnes en situation de précarité. Ça, c'est particulier. Alors, c'est particulièrement fort pour les animateurs salariés, un peu moins pour les bénévoles du Secours populaire, mais j'allais dire qu'ils sont déjà sensibilisés à la question. Donc ça, c'est assez logique. Et on a eu beaucoup de retours aussi sur... une manière de mieux appréhender l'interculturel. Voilà, c'est un peu les trois grands axes qui sont sortis. Donc, l'appréhension de l'enfant dans sa globalité. Donc là, on voit la question des droits de l'enfant et prendre l'enfant comme une personne, prendre en considération vraiment l'enfant comme une personne. Le rapport, voilà, au public précaire et l'interculturel. C'est vraiment les trois choses qui sont sorties. Merci beaucoup, Hélène. Donc voilà, nos quatre intervenants nous ont permis de conserver presque 40 minutes
pour des échanges entre nous. Peut-être pour que vous, pour concevoir vos questions, je vais me tourner vers Marc et savoir si, à travers ceux qui nous suivent en visio, ont déjà émis des remarques, des questions. Pour le moment, on a une quarantaine de personnes qui nous suivent en vidéo. Une quarantaine, c'est bien. Bien sûr. Il y en aura une à travers la collection des savoirs populaires. D'accord. Très bien. Donc, il vous appartient maintenant. La parole vous appartient. Jean-Philippe. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour Valérie ? Merci. Merci. On va rapprocher l'autre micro. Voilà. Merci. Oui, bonsoir à tous. Philippe Gillin, je suis le secrétaire général de Meurthe-et-Moselle. J'ai une question globale, enfin j'ai deux questions. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a fait que dans les années 70, cette notion d'éducation populaire était noyée ? Est-ce que c'est une volonté politique ? Parce que dans éducation populaire, il y a populaire. Voilà, il y a eu 68 un petit peu avant. Est-ce que c'est politique, ça? Et qu'est-ce qui a fait que dans les années 90, ben en fait, la notion d'éducation populaire est ressurgie et soit sur le devant de la scène, hein, ça m'intéresserait de savoir comment que c'est arrivé et comment ceux qui ne voulaient plus entendre parler de cette éducation populaire ben ont baissé pavillon, en fait, compte. Et ma deuxième question, c'est aujourd'hui où on en est? C'est-à-dire que nous, on est dans l'éducation populaire toute l'année, on est persuadé de ça, on est à fond dans ça, en tout cas pour ce qui me concerne moi et l'ensemble des amis du secours. Mais globalement, en France et en Europe, où ça en est tout ça? Est-ce qu'on est, alors parce qu'on est quand même dans un monde super égoïste depuis les années 60, 70, mais est-ce que ça, on arrive quand même, on le voit bien sûr, je l'ai lu, le truc sur les copains du monde, c'est génial, quoi. Je veux dire, rien qu'avec ça, voilà, on repart gonflé à bloc, hein. Mais où ça en est globalement? Voilà mes deux questions, merci. Merci, on va prendre peut-être s'il y a une autre question, sinon on va les traiter les unes après les autres. Moi, je peux simplement dire que pour une association comme ATTAC, si elle s'est déclarée au départ mouvement d'éducation populaire, c'était bien parce qu'ils pensaient que la doxa libérale était imprégnée trop la société tout entière et qu'il fallait reprendre un travail de reformation et de formation collective sur les problèmes de la lutte contre cette doxa libérale. Je pense que c'était ça le ressort d'une association comme ATTAC. Emmanuel, sur ce creux entre 70 et 90. Ouais, alors c'est une grosse question. Parce que c'est pas facile d'y répondre de manière univoque. En fait, il faudrait aussi regarder les choses, j'allais dire mouvement par mouvement, et même peut-être aussi région par région. Parce que le militantisme dans le champ associatif et en particulier dans le champ de l'éducation populaire, c'est aussi, ça a été bien dit à plusieurs reprises, c'est des collectifs qui agissent sur un territoire et c'est des collectifs souvent avec des personnes qui sont, j'allais dire, multipositionnées dans différents espaces associatifs, qui sont imbriqués les uns avec les autres et qui reformulent tous ensemble des en permanence les questions d'actualité qui se posent à eux. Alors, ce que les travaux qui ont été faits sur les années 70, globalement, s'accordent sur le fait de dire que c'est quand même globalement le processus de professionnalisation du secteur qui a mis de la distance dans la référence à l'éducation populaire, pas parce que individuellement chacune des personnes ou même sur le plan des principes les mouvements auraient abandonné la référence, mais parce que dans la pratique quotidienne les besoins de professionnalisation, de structuration de l'activité, et y compris de mise en conformité de tout un tas de choses, puisqu'on rentrait dans une logique avec des diplômes, des certifications, des réglementations,
etc., à techniciser ce que tu disais tout à l'heure, les métiers, et à laisser moins de place dans le quotidien des gens et des équipes pour travailler l'éducation populaire comme une manière de regarder leurs problèmes comme un tout, quoi, de les connecter, de regarder ça comme, comme des phénomènes sociaux plus globaux. Et pour ce qui est du retour dans les années 70, ben c'est justement l'expérience de 20 années de professionnalisation. Après, je ne peux pas forcément dire que cette professionnalisation a été que négative. Elle a permis aussi de monter en charge, de toucher des publics beaucoup plus nombreux. C'est-à-dire qu'une éducation populaire uniquement bénévole, militante, très politique, mais pas soutenue du tout sur le plan économique ou financier, etc., ça produit aussi des actions moins nombreuses, qui touchent moins de publics, etc. Donc la professionnalisation a aussi des effets d'élargissement du nombre de personnes touchées, mais voilà, elle a eu cet effet dans les années 70, et dans les années 90, le regard critique qui a été porté sur ce processus-là était de dire justement, on a un peu perdu peut-être des moments de débat sur la boussole idéologique de chacun des mouvements qu'il faut remettre au travail plus globalement à travers un retour à la notion d'éducation populaire. Donc c'est pour ça que je disais que ça a été un retour à l'intérieur de grands mouvements historiques, de grosses structures et de grandes fédérations, mais ça a été aussi pour certains l'idée qu'il fallait le faire en créant de nouvelles structures à l'extérieur parce que les structures existantes n'étaient pas celles qui pouvaient accueillir ces discussions nouvelles. Voilà. Il y a toujours, je crois, quand il y a des changements d'orientation globale, à la fois des choses qui se passent à l'intérieur et à l'extérieur, et c'est important d'avoir conscience qu'ils ont eu lieu en même temps, quoi. Oui, je voudrais te poser une question, c'est est-ce que tu ne penses pas que les resserrements de crédit auxquels ont été soumises les associations, et notamment les associations d'éducation populaire, n'ont pas contraint celles-ci à courir après les réponses aux dispositifs et à perdre une partie de leur tradition d'éducation populaire pour se concentrer dans la réponse à des dispositifs qui conditionnaient leur financement? Si, ça c'est très clairement quelque chose qu'a marqué le secteur, mais je crois que c'est quelque chose qu'a marqué l'ensemble du tissu associatif français, en fait, même au-delà des mouvements d'éducation populaire. Le changement de nature du soutien de l'État, et j'allais dire même aujourd'hui des collectivités, etc., le passage aux appels à projets permanents, le fait que finalement on soutient de moins en moins une association pour ce qu'elle est dans son projet, mais des projets portés par des structures associatives au coup par coup, et alors il y a des coups par coup plus ou moins longs en fonction des appels à projets, et voilà. Donc ça effectivement ça a un impact important. Après je pense aussi que il y a une manière d'envisager aujourd'hui aussi ces questions-là dans lesquelles, c'est-à-dire qu'il y avait une part très importante dans la structuration du secteur de l'éducation populaire, du secteur JEP historiquement, une part très importante du soutien de l'État. Et au-delà de la forme de ce soutien avec les appels et projets, etc., il y a aussi une diversification des sources. C'est-à-dire que de moins en moins, l'État joue un rôle central dans le financement. Il y a une diversification des échelles du financement avec les collectivités, à la fois communes, départements, régions, etc. Donc ça complexifie aussi l'équation pour un mouvement associatif, pour faire tourner, j'allais dire, la structure. Il faut rentrer dans un dialogue sur le fond de son projet et dans des mécaniques de construction de financière pour les activités qui sont effectivement de plus en plus complexes avec le temps, quoi. Philippe, vous vouliez intervenir? Oui, c'est peut-être pour... Enfin, je suis tout à fait d'accord. C'est pour compléter peut-être un aspect sur les années 70-90, puisque c'était dans ce sens-là. Enfin, moi, c'était vraiment... j'étais dans l'activité, c'était... Il y a eu un autre aspect quand même, je pense, important, c'est qu'il y a eu un glissement vers
ce qu'on appelle dans le milieu des animateurs les activités de consommation, qu'on peut nommer le consumérisme, c'est-à-dire que les mouvements d'éducation populaire, qui étaient assez originaux dans ce qu'ils faisaient, pour répondre sur des questions culturelles, de vacances, de solidarité, eh ben, il y a un secteur marchand qui s'est développé, et on s'est quand même mis pas mal à le copier. Alors, moi, dans le domaine des vacances où j'étais impliqué, on a eu du mal à résister à ça. On s'est fait un peu aspirer dans cette histoire-là. Et puis, 20 ou 30 ans après, il y a eu de nouveau un appétit à dire « Ah non, non, mais ça ne va pas, là. Il faut qu'on redonne du sens, qu'on refasse ça. » Et je pense au Secours populaire aussi sur la question du social. Bah, c'est un peu pareil. L'éducation populaire, on avait tendance à s'occuper de tout le monde. Et avec les modes de financement, avec les partenariats, avec les pouvoirs publics, etc., on a été invité à cibler de plus en plus. Donc, on perdait un peu aussi un aspect intéressant de l'éducation populaire, c'est-à-dire on fait pour tous, quoi. Voilà, et on est devenu un peu on fait pour certains, quoi, aussi. Et après, il y en a eu marre. Enfin, il y en a eu marre, faut pas exagérer, mais il y a eu un appétit à réagir à ça, quoi. Il y a véritablement eu le développement d'une économie des dispositifs auxquels ont été confrontées les associations. Autre question durant le temps de réponse. Alors pour le Val d'Oise, la recherche action, donc le problème qui a été posé, c'était de pouvoir revenir à des documents communs à toutes les structures, puisque bon, les structures remontaient leur comptabilité du mieux qu'elles pouvaient en fonction de ce qu'elles savaient faire. Et le souci qu'on avait, c'est que le comptable, qui était moi à l'époque, on était parti du constat que si on était amené à le remplacer, le futur comptable n'aurait pas forcément la pratique de l'association pour pouvoir interpréter les documents qui remontaient à la fédération. Et de là, on est parti sur le principe de dire qu'on allait travailler sur des documents et des procédures communes, et que ce travail serait serait validé par les structures si elle émanait de la base et non pas de la commission financière et avec l'appui de la comptabilité, quoi. Et donc finalement, la méthodologie de la recherche action a été adaptée à cette recherche. Et donc les personnes qui ont participé à la recherche action, qui étaient les trésoriers et secrétaires généraux des structures, le ressenti qu'on a pu en avoir à la fin des ateliers, puisqu'on en est au rapport final, ça a été d'avoir été consulté pour l'élaboration de ces documents et de ces procédures, et finalement leur avoir imposé des nouveaux documents, quoi. Donc voilà, ça a été le côté positif. Et ce collectif, ces échanges, le savoir-faire des uns et des autres mélangé à ce qui se faisait au niveau de la fédération. En sachant que l'animateur, donc il a fallu vraiment que je fasse abstraction du fait que j'étais le comptable, pour ne pas conduire les procédures et les pièces comptables sur ce que je voulais avoir. Il fallait vraiment que ça vienne de la base, quoi. Sur la deuxième question, je voudrais, avant de demander poser la question à Emmanuel Porte, signaler que dans le dossier qui vous est remis, par l'Institut de formation, il y a toute une série de documents et aussi toute une série de références bibliographiques portant sur des ouvrages relatifs aux questions que nous nous posons. Il y a Susanna. Je t'en prie. Je voudrais poser une question à Philippe et Christian. En fait, je voudrais savoir, est-ce que tu peux dire, Philippe, quels sont les piliers de l'éducation populaire ? C'est-à-dire, si je fais une action, en quoi je peux reconnaître mon action, c'est qu'il porte une démarche d'éducation populaire.
Merci. C'est tout simple. Je veux bien essayer, hein, mais c'est pas facile. Moi, je vais reprendre un peu, je risque de me répéter. Hein. Collectif, transformation et par des acteurs responsables de ce qu'ils font et qui, tout en transformant quelque chose, se produisent eux-mêmes. Pour moi, l'éducation populaire, ça fait un peu penser à un éventail, c'est-à-dire qu'il y aurait un minimum et un peu un maximum, quoi, voilà. Minimum, c'est, je sais pas, je fais une campagne pour l'inscription des jeunes sur les listes électorales, bah, on peut dire que c'est dans l'éducation populaire parce que ça contribue à agir concrètement pour la citoyenneté, etc. Et puis, de l'autre côté, bah, je sais pas, je mettrais de l'autre côté, moi, c'est attaque, c'est agir collectivement pour transformer le monde dans le sens de l'intérêt général, quoi, voilà. Entre cet éventail ouvert, là, on peut ranger plein de modalités d'action, quoi. Vous voulez prendre un... Je trouve que c'est ça qui fait la différence avec l'action politique, personnellement. Enfin, c'est-à-dire que l'action politique, elle est centrée sur le résultat. On veut transformer les choses, quoi. Alors que dans l'éducation populaire, il y a aussi cette dimension de la promotion, de la production de la personne. Ce qui ne veut pas dire que dans l'action politique, il n'y a pas aussi hein, du développement des gens, etc. Quoi. Mais dans l'éducation populaire, je dirais, c'est marqué dessus. Quoi. Ça fait partie de... C'est pas l'un sans l'autre. Quoi. Voilà. Ça peut être changé, mais les partis politiques, pendant longtemps, ont été des lieux intenses, notamment les partis de masse, étaient des lieux intenses de production, d'éducation populaire, des universités populaires, des universités nouvelles ou des choses comme cela, et qui permettaient d'ailleurs, qui venaient en soutien à l'ensemble du mouvement social dans sa diversité et à d'autres associations. Ils faisaient profiter, mais je ne sais pas s'ils l'assument encore. C'est juste une question théorique. Pardon. Autre question ? Hein ? Il y avait la demande sur les auteurs. Mais sur les auteurs, j'ai dit qu'il y avait... peut-être si tu as d'autres que des références qui ont été portées par l'Institut de formation pour l'enrichir. Peut-être que ce que je pourrais faire, c'est envoyer effectivement aussi, enfin vous renvoyer vers une publication, enfin des publications de l'INJEP, mais notamment j'ai écrit il y a quelque temps ce qu'on appelle une fiche repère, qui est un recto verso synthétique sur l'éducation populaire en France, dans lequel vous avez dessous une bibliographie de ressources aussi contemporaines, et puis qui renvoie aussi vers quelques auteurs, on va dire historiques, mais évidemment. Ovid de Croly, Célestin Freinet, il y a un certain nombre de penseurs français ou francophones qui ont contribué à cette discussion, il y en a d'autres dans d'autres pays, et puis il y a des travaux intéressants aussi de d'historiens ou de politistes aujourd'hui en France qui travaillent sur ces questions-là d'une autre manière que simplement par les pédagogies ou la philosophie de l'émancipation, mais en se posant aussi justement la question de finalement qu'est-ce qu'on apprend dans des expériences d'éducation populaire. C'est effectivement la définition que sur laquelle se sont accordés les mouvements d'éducation populaire en 2005 dans la dernière charte collective, c'est de dire que c'est l'art de s'éduquer soi-même avec les autres. C'est la formule qu'a fait consensus, j'imagine qu'elle a mis, on a mis beaucoup de temps à la stabiliser, mais ça dit un peu l'intention qui est partagée. Et après, il y a les méthodes, les publics, les territoires d'intervention qui sont très différents d'un mouvement à l'autre et qui sont difficiles à complètement homogénéiser. Quoi. Oui, il y a aussi, puisqu'on parle de Palo Frère, il y a aussi les expériences en France qui ont été menées par Henri Desroches, qui a créé les collèges coopératifs et qui, expérience que je connais particulièrement, puisque j'ai succédé à Henri Desroches au
Collège coopératif Paris, mais qui était justement, qui était bien sur la recherche-action, la formation-action, c'est-à-dire on peut, toute pratique sociale, créer des savoirs qui peuvent être transformés en savoirs plus institutionnels et même en savoirs à validation universitaire, comme il l'avait fait avec le diplôme des hautes études de pratique sociale. Mais les pratiques d'Henri Desroches sont aussi à revoir et à repenser, peut-être, parce qu'elles ont été, pour une bonne partie, oubliées. Les collèges coopératifs ne suivent plus cette méthode qu'il avait donnée. Et il y a actuellement des universitaires en France qui entendent reconstituer les appareils de formation qui permettaient à des gens sortant de l'alphabétisation en 5-6 ans de pouvoir, c'était un travail un peu dur, mais par leur pratique sociale, à partir de leur pratique sociale, bon, j'ai connu un dirigeant syndical, il était dirigeant syndical dans une grande usine de l'automobile, mais il était malien, il est sorti de l'alphabétisation, on l'a pris au collège un an après, c'est la fin de son cursus d'alphabétisation, et en 6 ans, il est monté à l'école pratique des hautes études, en doctorat. Donc on voit que à partir des pratiques sociales, tout fait ventre pour développer les savoirs, et c'est ça le fond aussi des fondateurs de l'éducation populaire, qui aussi avait comme ressort d'équiper des structures d'économie sociale qui n'avaient pas des militants d'économie sociale, des militants associatifs, mutualistes, coopératifs, qui n'avaient pas l'accès au savoir. Et donc, les pionniers de l'éducation populaire, enfin de celle dans le mouvement social, étaient là pour les outiller aussi dans le développement de leur mouvement. Jean-Philippe ? Oui. Voilà. Joël Botellico. Alors, secrétaire général adjoint de Secours Populaire, juste une question, c'est par rapport à... Alors, déjà, merci à vous tous pour vos interventions. J'ai une question plus en direction d'Hélène Duclos, parce que je trouve que l'évaluation sociétale des villages copains du monde est vraiment... Pardon. Oui, non, je pense que c'est un excellent outil pour justement faire connaître les effets et les conséquences de ce type d'expérience vécue à la fois par des enfants, par des animateurs, et puis au-delà, parce que je pense que ça a aussi des résonances. Vous parliez du cuisinier, je trouve que c'est une belle illustration. Mais alors, du coup, ma question, c'est comment vous, de votre point de vue et avec ce travail réalisé, est-ce que vous imaginez que ce type de documents et d'outils puissent circuler, comment, vers qui, pour finalement mieux faire connaître cette démarche? Et éventuellement, peut-être, je vais interpeller aussi l'INJEP. Est-ce que l'INJEP ne pourrait pas éditer cette évaluation sociétale village des enfants copains du monde? Parce que je pense que ça rentre aussi bien dans leur champ. Voilà. On donne la réponse tout de suite. Non. Je vais répondre par une question. Vous êtes là demain? Alors, parce qu'en fait, demain, on a un atelier de travail. On va se poser exactement cette question-là avec les fédérations. Savoir, voilà, maintenant, on a une note de synthèse. On a un rapport. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on se l'approprie? Parce qu'effectivement, il peut y avoir la diffusion. Mais... Il y a, alors c'est bien, hein, il y a une note de synthèse qui permet de voir un peu le contenu, donc je pense que dans des logiques un peu de faire connaître ce que sont les villages copains du monde, ça peut fonctionner très bien. Pour moi, l'enjeu, ce serait que ce soit approprié de manière à ce que les fédérations puissent poursuivre ce travail-là. C'est-à-dire que, le vocabulaire, mais l'évaluation c'est aussi performatif, c'est-à-dire qu'il faut aussi que le travail d'évaluation soit un moyen de s'approprier les apports de la démarche, vous voyez, que ce soit un petit peu un cercle vertueux, quoi.
Et c'est pas simplement en diffusant un rapport qu'on arrive à ça. Donc c'est, effectivement, voilà, il y a un peu de niveau. Il y a d'une part comment est-ce qu'on diffuse et comment est-ce qu'on fait, qu'on montre que oui, ça fonctionne, oui, c'est intéressant et ça produit plein de choses intéressantes et ça vaut le coup de développer ce type de village. Donc, c'est une première chose. Et à mon sens, il y a une deuxième, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les fédérations puissent vraiment s'approprier ce travail-là pour se l'imprégner vraiment et poursuivre et développer les villages. Quoi, voilà. Donc c'est un petit peu, et ce n'est pas forcément ça juste par la transmission d'un rapport. C'est un peu de temps, mais on y travaillera demain matin. Hola, mi nombre es Ever Valles, voy a hablar en español, no sé si traducción, comprende. Bueno, solo quiero compartir una experiencia de tema de educación popular. Nosotros en El Salvador, en Comasagua, municipio del país, son estudiantes de la Universidad Luterana, que es de Agricultura, que llegan o llegaban al inicio cada mes a compartir su experiencia, bueno, como estudiantes al campo, pero en el campo también, con las mujeres y jóvenes campesinos del lugar, se llevaban el conocimiento que tenían las campesinas. Ok, entonces, ya, ok. Entonces algo bien importante es que los jóvenes que habían estudiado lo que sus profesores le habían dicho, en el campo se validaban algunas cosas, pero a la vez la experiencia de las mujeres y de los jóvenes campesinos también reforzaban lo que ellos ya venían haciendo, aunque no sabían por qué funcionaba. Entonces parte también de crear esa educación popular, parte del conocimiento empírico del campo y reforzado con lo que se estudiaba en la universidad. Y eso generaba una empatía porque después ya no era una vez al mes, sino que era cada semana que querían llegar los estudiantes y también los campesinos de recibir a los mismos estudiantes, valga la redundancia, para poder intercambiar conocimiento. Y eso ha venido siendo una de las cosas que a nosotros nos ha fortalecido en la cooperativa Canasta Campesina. ¿Hay otras cuestiones que son soulevées por todas las intervenciones ricas que vous venez d'entendre? Est-ce qu'il y a, Marc, est-ce qu'il y a des questions issues de nos amis de l'autre côté de l'écran? Il n'y a pas. Est-ce que vous voyez les uns les autres à ajouter des choses par rapport à ce qui vous a déjà été demandé? Non, je peux ajouter quelque chose qui rebondira un petit peu sur ce que vous avez dit, parce que j'ai entendu un bout de la traduction étant proche, peut-être plus que d'autres, mais je pense que ça sera dans la retranscription aussi des échanges, ce qui est bien. Je pense que ça pose la... Il y a une question qui est posée régulièrement, en fait, c'est celle de savoir ce qu'on peut apprendre dans des expériences collectives, que sont les expériences d'éducation populaire. La question est de savoir à quelles conditions on peut les réutiliser ailleurs. Ça, c'est un pari, j'allais dire, politique et philosophique initial de l'éducation populaire, qui est de dire que l'expérience des gens, en soi, est porteur d'une connaissance sur le monde qui doit quand même être révélée par des cadres collectifs et des méthodes pour être vraiment utilisée, utilisable et reconnue à l'extérieur. Ça, je crois que cette dimension collective, c'est la dimension la plus importante et qui qualifie le plus l'éducation populaire dans son intention, et elle a sans arrêt à se frotter à une autre réalité dans laquelle on est beaucoup, et on est beaucoup depuis les années 80,
notamment dans tous les dispositifs qui s'adressent aux jeunes, c'est que les pouvoirs publics, les financements, etc., sont obnubilés par le risque du chômage, par la difficulté du chômage et le besoin de trouver la reconnaissance des compétences issues d'une expérience pour réinsérer les gens, pour trouver des débouchés, etc. C'est évidemment une intention politique louable, mais qui isole la connaissance dans un individu, là où les expériences que proposent souvent les mouvements d'éducation populaire consistent à les remettre dans un collectif. Et ça, c'est un sujet qui est quand même beaucoup débattu, y compris dans la recherche. Il y a plein de moments où on peut apprendre à développer de super compétences dans un cadre collectif et avoir beaucoup de mal à les réutiliser en dehors, parce que l'endroit où on cherche à les réutiliser n'est pas du tout favorable à leur expression. Voilà. Alors il y a des choses, oui, qui c'est possible de conserver, de transporter avec soi, et d'autres, c'est plus difficile. Et ça, je pense que c'est un bel enjeu de réflexion méthodologique pour les mouvements d'éducation populaire, de savoir à quelles conditions on pourrait transporter longtemps des compétences acquises dans un cadre collectif, dans d'autres types de fonctionnements qui sont moins collectifs, type le monde professionnel qui est hiérarchique par définition. Alors, venant de votre part, on a beaucoup parlé ici, sur vos expériences à l'intérieur de vos fédérations, c'est important, est-ce que vous n'avez rien à nous rapporter ? Voilà. Cette maternité puisse exister, il a fallu utiliser les méthodes de recherche-action. Alors, recherche-action avec une personne qui était la matrone, qui ne savait ni lire ni écrire. Et donc, on travaillait sur ses compétences personnelles, et ça permettait de faire évoluer cette personne, de lui proposer après d'aller apprendre à lire et à écrire. Et c'est comme ça que cette maternité s'est développée de façon incroyable. Donc, il y a eu plusieurs mouvements, hein, plusieurs personnes qui sont parties. Mais c'est vrai qu'au départ, la volonté réelle, c'était de travailler sur le terrain avec cette expérience, ces compétences, sans apporter nos compétences à nous. Je crois que c'est là aussi un intérêt de l'éducation populaire, de faire attention aux expériences des autres. Alors là, c'était dans un pays étranger, bien sûr, mais ça peut se faire partout. Les enfants, on a dit tout à l'heure, ils ont des compétences. Les bénévoles ont des compétences. Des fois, on oublie un peu de les utiliser à bon escient. Merci. Mais il faut bien voir que, par exemple, Henri Desroches, mais pour revenir à lui, a beaucoup peaufiné sa méthode, son approche des hautes études en pratique sociale à partir de des expériences qu'il avait dans ce qui était encore les colonies à l'époque. Mais de ces expériences africaines, que ce soit sur le champ de la coopération, avec les coopératives villageoises, etc., mais aussi sur les pratiques de transmission du savoir telles qu'il les avait repérées et développées à partir de ces expériences africaines. Moi, je voudrais faire part d'une évolution que je perçois dans quelques organisations. Hein, ça ne vaut pas pour toutes, hein, mais il me semble que les modalités, j'appelle ça comme ça, les modalités de vie démocratique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on décide de ce qu'on veut faire, comment on décide de le faire, et qui a le pouvoir de l'initiative. Il y a de l'appétit là-dessus à voir les choses évoluer
y compris dans les organisations d'éducation populaire, et que selon la manière dont on organise les choses, eh bien, on va avoir une implication et une autonomie plus ou moins grande. Et que, justement, ce qui est intéressant dans l'éducation populaire, c'est qu'on invente, on imagine, on essaye, on bricole des manières de faire, et qu'en ce moment, il y a de l'appétit à ça, et que n'importe quel acte de la vie associative, ça peut être soit une purge, on va dire, hein, on a tous fait des assemblées générales où tout le monde roupillait gaillardement, mais ça peut être aussi des moments où y a le vent qui se lève, il y a envie de faire des choses, etc. quoi. Et il me semble qu'on a intérêt à réfléchir sur comment on organise la vie à l'intérieur de l'association, quoi. Voilà. J'ai l'impression qu'on est en dessous dans nos modes d'organisation de l'appétit de participation des gens. Voilà. Redoutable. J'ai envie de rebondir là-dessus parce que une des caractéristiques des villages copains du monde, c'est qu'il n'y a pas un modèle, un dispositif clé, type, qu'on applique. C'est-à-dire que chaque village s'est construit et il se construit avec des partenaires, il se construit entre des bénévoles et des salariés. Et ça, c'est une vraie richesse. Mais il ne faut pas croire que c'est très facile. C'est-à-dire que chacun vient aussi avec ses représentations. Les professionnels, nous, qu'on a pu croiser, en tous les cas, c'était des professionnels qui étaient vraiment imprégnés d'éducation populaire. En tous les cas, sur les pratiques, ils s'y retrouvaient bien. N'empêche qu'il faut quand même arriver à s'articuler avec des bénévoles qui ont aussi leur approche de l'éducation populaire. Et voilà, on est aussi vraiment dans la co-construction là-dessus, sur des modalités de fonctionnement. Puis il y a un deuxième point dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qui est vraiment important, c'est les villages existent depuis déjà un certain temps, et donc il y a un certain nombre d'enfants qu'on a vus maintenant et qui sont devenus des animateurs. Et on voit vraiment sur les jeunes adultes, dans tous les cas qu'on a pu rencontrer, que ça a été extrêmement structurant dans leur voilà, c'est assez incroyable, quoi. Je pense à des exemples notamment au Liban où vraiment c'est une boîte à leaders citoyens, quoi. C'est impressionnant, quoi. Enfants, certains sont devenus des leaders politiques. Est-ce que certains de ces jeunes enfants, certains sont, vous disiez, sont animateurs, mais est-ce que d'autres sont leaders politiques pour changer justement la vie de la cité, la vie politique locale? Alors ça dépend parce qu'on entend comme politique. Si politique, c'est changer vie de la cité. Voilà. En fait, si c'est changer la vie de la cité. Vie de la cité. Clairement, c'est-à-dire que c'est des gens engagés. Je pense, enfin, j'ai vraiment l'exemple du Liban qui me vient en tête, mais avec des PNA, on a des gens vraiment qui sont engagés. L'éducation populaire est passée par là aussi parce qu'ils ont une pensée qui est très structurée, c'est-à-dire que c'est pas juste. L'expérience sociale, elle a été vraiment complètement intégrée. Ils sont capables de la transmettre. Donc oui, pour moi, c'est des leaders politiques au sens large, quoi. Après, on n'a pas vu d'élus à proprement parler, mais on a des gens. Oui, on a des gens clairement engagés. Si je peux rajouter quelque chose, je dirais que l'idée d'éducation populaire dans les mouvements de l'économie sociale et solidaire, dont nous sommes tous partie prenante, a affaibli au moment où une autre notion faiblissait, c'était celle de promotion sociale. C'est-à-dire comment les mouvements autrefois, même c'était vrai des mutuelles, des coopératives, etc., produisaient leurs propres dirigeants. C'est-à-dire produisaient leurs dirigeants et n'allaient pas les chercher forcément à travers dans les écoles où ils apportent d'ailleurs souvent une culture tellement différente que ça pose plus de problèmes que ça n'en résout. Et cette notion de promotion sociale, je ne parle pas au sein du secours parce que ça se fait spontanément. Mais dans beaucoup de maisons on a d'économie sociale, ben on oublie cette idée que le mouvement doit se nourrir, la direction doit se nourrir de leurs militants, de leurs
de leurs bénévoles, de ceux qui pratiquent à l'intérieur de leur structure. Et dans beaucoup d'associations, on a vu des associations mourir parce que les cadres qui leur venaient n'avaient plus la culture ancienne, la tradition de leur maison. Il faut le temps que je réfléchisse à votre question. Je vais la préciser un peu. Je vais la préciser un peu, c'est-à-dire que, oui, clairement, quand il y a vraiment un processus, l'enfant devient animateur et ensuite va devenir un leader citoyen. On l'a vu beaucoup à l'étranger. Je ne peux pas en dire autant forcément d'un enfant qui a suivi un village. Oui, c'est très différent. C'est-à-dire que le village peut vraiment être l'étape 1 de ce processus-là. Voilà, pour être précise sur ma réponse. Voilà. Et après, les enfants qui ont suivi un village, où ils vont être engagés, ça va être vraiment dans l'environnement. Je dis 80, plus de 80% des enfants ont mené des actions solidaires, et ce n'est pas juste un chiffre, c'est-à-dire qu'ils sont capables de nous les citer. On a fait une typologie des actions qui sont menées, donc ce n'est pas juste oui, on en a fait, c'est oui, ok, lesquelles, vous nous les citez. Donc c'est quand même très important. Voilà. Autre question ? Intervention ? Contestation ? Ah, Marc, c'est pour toi-même. Alors, on a une question d'un internaute donc, qui nous regarde sur YouTube. Donc, Patrick, je vais essayer de la traduire, cette question, et pas la dénaturer, qui se demande si le recul de l'éducation populaire n'est pas aussi dû, quelque part, à la montée d'une culture consommatrice chez les citoyens, en fait. Enfin, pour une partie, hein, c'est quelque chose qui a été déjà étudié, décrit abondamment. Hein. Il y a eu une partie des activités de l'éducation populaire s'est trouvée en situation entre guillemets de concurrence avec un secteur marchand. Le secteur marchand a fonctionné et parfois il a réussi à donner le ton, à donner le là, à dire voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Bon, si on prend, moi je suis dans le domaine des vacances collectives avec les CMEA, bon, ben, on a vu comment des vacances collectives qui étaient conçues avec une dimension éducative, une dimension de la rencontre, de l'aventure, du projet, a peu à peu évolué vers la consommation de prestations de qualité. Si on regarde l'évolution d'une grosse association comme l'UCPA, si on voit son mouvement, et ben voilà, ça c'est une partie de l'éducation populaire, ça a fonctionné sur ce schéma-là. Pour moi, c'est indéniable. Mais le domaine des vacances est particulièrement illustrateur de ce glissement-là. Ça a été un peu théorisé par Jean-Claude Gillet, hein, qui donnait deux grandes dérives aux pratiques d'animation, une dérive qu'il appelait consumériste et une dérive qu'il appelait, je crois, de réparation sociale. C'est les deux forces qui ont un peu tiraillé l'éducation populaire, vient du côté du commerce, vient du côté de la réparation sociale. Et ben voilà, il a fallu, pas dépasser, mais on a pâti de cette tension-là. Et je trouve qu'en ce moment, il y a une, mais ça a déjà été dit un peu par tout le monde, il y a un appétit à revenir à une dimension du sens. Voilà. Je t'en prie. Je veux bien rajouter un truc, juste pour aller dans ce sens-là, et je crois que et sur ce que tu disais aussi avant, c'est-à-dire que cet appétit à retrouver l'éducation populaire, je suis d'accord, elle va aussi avec une volonté de retravailler aussi, en quelque sorte, les structures, les organisations collectives, peut-être la forme fédérative qui était là pour se structurer, pour être un interlocuteur de l'État, quand l'État était le seul à financer. Aujourd'hui, on est dans une réalité un peu différente. Peut-être que les acteurs ont des enjeux de reconfiguration de ça. Et probablement que les méthodes même de l'éducation populaire, que sont ce que tu évoquais sur la recherche-action, etc., sont des choses qui peuvent être utilisées pour remettre au travail des projets associatifs. Souvent, on les applique au public avec lequel on travaille, mais rarement à la structure elle-même. Et ça peut être une manière de faire.
voilà, il n'y a pas très longtemps, enfin il y a déjà maintenant quelques années, mais j'avais été invité par exemple par le planning familial qui avait organisé une université populaire pour essayer de retravailler son projet associatif. Donc l'idée de le réinternaliser pour soi, pour voir comment l'organisation pouvait travailler autrement. Voilà, il y a peut-être des pistes à creuser de ce côté-là. Nous entrons dans les 5 dernières minutes de notre soirée, puisque nous avons des timings liés à la visio. José, si tu as quelques mots par rapport à ce que tu as pu entendre et par rapport à tes pratiques dans ta fédération. Quelques mots, non. Enfin, je vais faire une synthèse de tout ce qui s'est dit ce soir. Et par rapport aux pratiques, nous, on a mis en place cette recherche-action sur le domaine de la comptabilité, puisque c'était un besoin qui se faisait sentir au niveau de la FEDE. C'est quelque chose qu'on va explorer sur d'autres domaines. Alors, peut-être pas sous cette forme-là, on va dire, de façon directe. On va essayer de les mettre en place de façon indirecte par le biais de groupes de travail. Donc, ça sera des recherches-actions sous d'autres formes. Hélène, une... Susanna. Oui. Je voudrais en fait qu'on finisse en fait ce séminaire avec, je sais pas, un appel à continuer l'éducation populaire, à comment réagir ou agir pour que l'éducation populaire continue, et puis voilà, quelque chose comme ça, écrire. Je sais pas si l'institutionnel, je ne crois pas qu'il va le faire, mais peut-être les associatives, on peut essayer de faire. C'est le style de Stéphane Hessel, contribuons, indignez-vous, parce que continuons l'éducation populaire. Je ne sais pas, hein, quelque chose. Il faut agir et réagir par rapport à ça. Il ne faut pas laisser. Parce que nous, on a fait une bibliographie et toutes les personnes et les auteurs. Et puis les gens qui sont écrit des choses, ça date de 76, 2011 ou des choses comme ça. C'est très vieux. Il faut encourager les chercheurs à continuer à faire ça, et les associations, et puis tous à emprunter et s'approprier de la démarche de l'éducation populaire. Il faut créer quelque chose et puis agir ensemble, en fait, pour ça. Et pas seulement parler éducation populaire, c'est aussi comprendre qu'est-ce que c'est et mettre une touche dans toutes nos actions, une petite touche d'éducation populaire. Voilà. Nous en ferons ainsi. C'est comme ça qu'on peut dire. Hélène, un dernier mot. Philippe. Bon, moi je veux juste rebondir pour terminer sur cette question du sens. Ça fait 20 ans que j'accompagne les démarches d'évaluation de l'utilité sociale. Et je m'intéresse toujours pourquoi est-ce que les structures se rentrent dans ce type de démarche. Et la question... Alors, il y a en gros deux types d'entrées. Il y a une entrée que je qualifierais plus d'instrumentale, c'est-à-dire, en gros, on veut s'outiller, on veut avoir un argumentaire pour faire vite, pour trouver des financeurs. En fait, finalement, si on regarde bien, je ne vais pas dire que c'est marginal, mais ce n'est certainement pas la raison principale. C'est-à-dire que la raison pour laquelle elle rentre là-dedans, c'est avant tout plutôt des choses qui sont de l'ordre du constitutif. C'est-à-dire qu'on veut travailler sur une identité, on veut travailler sur qui on est, on veut travailler sur le sens. Et effectivement, il nous faut des outils pour ça, il faut qu'on soit capable de le mesurer. Mais la porte d'entrée, elle est avant tout sur cette question du sens. Et il y a énormément de demandes. Enfin, pour moi, ça va. Je suis très enthousiaste. Alors, ça, c'est le volet positif. Donc je suis très enthousiaste parce que la demande, elle est là. Après, il y a tout un outillage qui nous vient quand même plutôt de la sphère de l'entreprise classique, qui a une capacité de marketing très forte. Et on voit aussi des structures qui, finalement, fondamentalement, elles sont en recherche de sens, elles voudraient travailler plutôt sur la question d'identité et s'approprier les pratiques, mais elles vont reprendre tout le discours, finalement, plus de la performance sociale avec le discours de l'impact, avec voilà quoi. Donc on a un peu deux tendances qui sont très très en tension en ce moment, on va dire. Je vois
Tu as employé le mot impact. Oui, mais... c'est pas en opposition pour autant. Il ne faut pas les opposer. Bien, écoutez, je crois que nous arrivons au terme de ce séminaire populaire. Vous étiez nombreux à suivre, ici même ou derrière les écrans. Nous vous remercions beaucoup de votre participation active et nous remercions beaucoup Hélène, Emmanuel, José et Philippe pour leur contribution à ce travail et à toute l'équipe de l'Institut de formation qui a préparé le dossier dont je ne vous dis que ça. Voilà. Une dernière nouvelle. Oui. Valérie. Oui, juste une petite consigne avant de partir. Ne partez pas avec les... Du coup, on est très vigilant là-dessus. Donc, c'est vrai qu'on porte très facilement en pendentif et on souhaite les récupérer. Donc, il y a Dylan, clairement, hôtesse qui est là-bas, qui va vous les récupérer. Moi, Valentin. Enfin, voilà, on est 4-5 à récupérer les casques et surtout ne les emportez pas avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous.